territoire Saint-Marc, nous venons supporter Mylène Maniga pour dialogue et l'autre leader pour mettre tête ensemble. Je vais de là, c'est en bas, gros sécurité. Moun envahi Chanmas, blanc, aka fanatique, Mylène Maniga ou gen temps présent pour capable suivre l'installation. Ça a finalement qui fait dans le ministère du commerce pour journée jeudi 6 février 2023. Ça. Par contre, ensemble, je vais présenter une dernière information. Yo. Merci à vous-même qui connectez, restez là, mes nouvelles là, dans bon gentil mamite. J'en ai déjà annoncé le sous antenne, ça, Sofia TV 83. Je vais te pour le river, Mylène Maniga finalement prête tête pays. Il y a une transition qui gagne 3 mouns dans le fait avec gros sécurité et c'est peuple qui te débarque tout pour supporter madame. Dans la langue blanc français, madame Miliga, dans un discours tête chargé, un pile gros promesse faite sous sa poêle faite dans le pays avec direction libre pour gagner et déjà parlé. Voyez message à clé la communauté internationale là, si Marie Pap monte, si Marie Pap descend, il y a pour organiser l'élection et ça, moun yo pas t'invite à dire, c'est lui-même qui tendait des mouns qui dit hypocrite, yo saisi. Mesdames, Messieurs, nous pas prêter en pile. Nous allons entrer dans le détail information yo, mais avec la déclaration Mylène Maniga, premièrement, suivi des premiers ministres Ariel Henry. Finalement, est-ce qu'elle peut le perdre poste premier ministre ou qui ça peut le faire? Nous pouvons connaître, mais détail yo, dans le jour qui vient, nous allons voir qui ça qui prépare. 7 février, déjà passé dans l'eau, pas gagné cap fait, même si vous annoncé en pile monde dit, vous allez prendre la ria pour capable de courir dans le sac fait là, mais pour l'instant, Mylène Maniga, vous avez annoncé gros mézi qui va prendre dans tête pays. Mesdames, Messieurs, restez là pas qu'on déplacer, en écoutez déclaration Mylène Maniga. En écoutez déclaration Mylène Maniga, dans le micro la presse. Chers compatriotes, la chrétienne que je suis a le devoir, en ces circonstances particulières, de tourner avant toute chose mon regard vers le ciel et d'adresser cette évolution à Dieu le Père, pour le remercier de la grâce dont elle est comblée et qui a guidé ses pas pour la conduite à cette charge. Depuis que j'ai été appelée à occuper cette haute fonction, je ne cesse de penser à mes parents qui m'ont inculqué cet amour indéfectible de la patrie, dans la tradition d'un attachement aux valeurs d'honnêteté, le civisme et du respect du bien public. La solennité du jour me porte à avoir aussi une pensée spéciale pour mon feu et pour Leslie, qui m'a initié à la politique en me conseillant de toujours rester fidèle à mes principes, tout en gardant l'espérance. Je sens aujourd'hui plus que jamais sa présence comme un témoignage de support au choix que j'ai fait. Mesdames et messieurs, les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Face à la complexité et à la volatilité de la situation, il est impérieux que chaque citoyen conséquent dans sa sphère d'activité de répondre à l'appel du devoir. Ce n'est certes pas dans ces circonstances que nous avions rêvé d'occuper une si haute fonction. La décision a été difficile. Fallait-il continuer à nous confiner dans le rôle inactif d'observateurs et de critiques avisés. Devrions-nous nous abstenir de nous associer aux affaires de notre pays face au déclin dont il est l'objet? Le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie de cette crise qui perdure? La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite, au nom de mes collègues Laurent Saint-Cyr et Calixte Fleurinor, pour présenter nos plus vives et sincères félicitations
à l'équipe indépendante de facilitation. Pour son travail et son sens du compromis, elle a légué à la postérité un instrument que le pays n'oubliera pas de sitôt. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir apprécié et encouragé la désignation faite par les signataires de l'accord du 21 décembre. Nous avons donc choisi, nous avons fait plutôt le choix de servir. Ces moments de grande préoccupation qui hantent la vie de chacun de nous est une source de désespoir. De désespoir pour les familles, pour les jeunes, pour les investisseurs, pour les femmes mères, pour les professionnels, les cultivateurs, les marchandes, pour les femmes de maison. Il s'agit donc de l'Haïti des gens qui peinent. L'Haïti des gens qui se battent quotidiennement pour un bout de pain. L'Haïti des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont nulle part où se coucher le soir venu. Cet Haïti nous attend au tournant. Nous devons donc, dans un esprit de sérieux, avec le sens de l'abnégation, répondre à cette attente par le rétablissement de l'ordre public, instaurant en cela la libre circulation des gens et des biens, lutter contre la corruption pour une meilleure répartition des richesses nationales. L'heure a sonné de s'impliquer avec désintéressement dans le seul souci d'œuvrer à porter un remède définitif à certains maux qui rongent notre société. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT, en appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis, nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Je vous remercie. Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. Trois grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel, du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral.
Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous, et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté avec mes collègues et Monsieur le Premier ministre d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatidiques. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population. Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste. Je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libres, honnêtes et inclusives. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de transition l'espace que vous souhaitez. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il est même exceptionnel. L'histoire d'Haïti est certes parsemée d'une cinquantaine de gouvernements de transition et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Chers compatriotes, vos cris nous sont parvenus et témoignent très fort dans notre esprit, puisque nous vivons, nous aussi, au quotidien, vos angoisses et vos soucis. Vous dire qu'en claquant les doigts, tout deviendra beau serait vous leurrer de fausses illusions. Il n'existe pas de recette miracle à la solution de ce que nous vivons. Les citoyens engagés, les travailleurs impénitents, que nous demeurons tous les trois, sont foncièrement conscients des empêchements actuels. Cependant, vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen de nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos désiderata. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants, mais déterminés. Alors, compatriotes, nous venons avec les épaules. En nous rassemblant, pays a changé avec les gens qui sont compétents. En nous sonnant l'ambi rassemblement, n'a pas rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le créole. C'était mal tapé. Dessalines t'a dit, ça ne fait rien que vous critiquez, que vous condamnez, si moi sauvez le pays. Non pas gain prétention sauvée, mais on commence traitement. Policiers, nous-mêmes qui dans la RIA, qui avons fait face carrée à bandits, des chimés, zinglendo, gangs, nous connaissons. Et, mon Dieu, oh là là, bon. Alors, je vais identifier ce qu'ils ont dit. Nous connaissons qui ça n'a supporté. Et nous partager ça n'a supporté. Et nous décider pour nous aider, nous résoudre tout problème que n'a supporté.
population, c'est sous nous, c'est sous nous yo compter. Nous pas plaguer. Blier ça diviser nous. Nous-mêmes dans au conseil là, nous connaît ça qui fait nous mal. Veillez mauvais zangi cap diviser nous. Pas jamais oublier que colonne que c'est colonne qui bat. Nous voulons que nous connaît que nous mettre compter sous nous. Conseil là a fait tout ça le capable pour aider couper insécurité et pour permettre chaque haïtien vivre libre et libre ça la paresse. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Maniga. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Faisons de ce cas une opportunité. Merci beaucoup, Madame Maniga. Et à présent, nous invitons le Premier ministre, Son Excellence Ariel Henry, à nous rejoindre pour son discours de circonstance. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président Privert, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les membres du comité de facilitation, Mesdames et Messieurs les signataires du consensus du 21 décembre, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un jour où une lueur d'espoir, où une espérance apparaît. Aujourd'hui, c'est un jour où la volonté de vivre ensemble, la ténacité et la persévérance prouvent qu'ils sont des vecteurs de changement. Aujourd'hui, Manuel, revenant de Cuba, avec les paysans de Fond Rouge, organise un grand combite pour nettoyer la source, construire les canaux afin d'irriguer les terres cultivables. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques. Une femme et deux hommes se sont mis debout, répondant à l'appel d'une grande frange de la population. Ils ont vu la situation critique du pays. Ils se sont dit, rejoignons l'équipe gouvernementale, unissons nos efforts, changeons ensemble la donne. C'est un déclic invitant toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, à unir leurs efforts pour le changement que nous appelons de nos vœux. Madame Mylène Maniga, Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor,
au nom du gouvernement de la République, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisis respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023 nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Dois-je rappeler ici que le jour même de ma prise de fonction en tant que chef de gouvernement, je m'étais engagé devant la nation à prendre mon bâton de pèlerin et aller à la rencontre des divers secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. C'était à mon sens un passage obligé. Si nous voulons sortir durablement de la crise, rompre avec les anciennes pratiques politiques et engager notre pays sur la voie de la modernité politique et économique. Cette promesse, je l'ai tenue. C'est un objectif que j'ai poursuivi sans relâche et qui a permis la signature de l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire signé le 11 septembre 2021. Certains m'ont reproché d'avoir consacré trop de temps à chercher à convaincre d'autres compatriotes à adhérer à la démarche initiée avec cet accord. Mais, vu de moi, il était essentiel de continuer à dialoguer en vue d'élargir le consensus et de rassembler davantage de compatriotes et de secteurs autour d'un pacte de gouvernabilité. Permettez-moi de féliciter ceux des signataires de l'accord du 11 septembre qui ont compris que la conjoncture exigeait de chacun de nous un dépassement de soi. Vous avez eu de la patience d'attendre que davantage de compatriotes rejoignent la démarche initiale. Ce faisant, vous avez rendu service à notre pays et contribué à la concrétisation de la cérémonie d'aujourd'hui. J'en veux pour preuve que des partis politiques antagoniques, dont les positions semblaient irréconciliables, soient parvenus sans trop de difficultés à faire le consensus autour du nom de Madame Mirlande Maliga. Le fait que de multiples groupes organisés de la société civile se soient entendus sous le nom du révérend Calix Fleuridor, président de la Fédération protestante d'Haïti. Et enfin, le fait que le secteur privé des affaires, toujours si réticent à s'afficher en politique, ait bousculé ses habitudes pour prendre ses responsabilités citoyennes en faisant choix de l'un des leurs, M. Laurent Saint-Cyr, pour faire partie du Haut Conseil de la Transition. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. Vous pouvez compter sur la collaboration de nous tous, sans exception. Nous devons apprendre tous à faire preuve de pragmatisme
et de flexibilité dans nos interactions. Je compte sur vous pour que cet esprit d'équipe, de respect mutuel, d'amabilité qui a caractérisé nos relations reste vivace et se renforce chaque jour davantage au fur et à mesure que nous agirons ensemble dans l'intérêt de notre pays et du peuple haïtien. Sem ak frem, jou ale, jou tounen, mais toujours pas même. Jodia nous fait yon bon bec. Jodia nous fait yon gros pas. Nous connaissons route la longue, mais faut nous commencer yon côté. Bon gens élection, élection sans force cooptée. Moi pour dire encore, nous invitons nous toutes, malgré divergence nous, pour nous mettre main nous ensemble, pour nous sortir pays à nan malais pandi ça. Après, nous avons réglé l'autre problème yo entre nous. En pile monde pas te croit, nous t'es capable de faire ça n'a fait jodi a. N'a paré pour nous faire plus que ça. Moi compter sous bon comprendre nous. Nous pral gen pour nous travail sous 5 gros chantiers. Tabli sécurité et puis kwape bandi. Continuer réforme économique yo. Mari volé contre bandi à tout monde qui nan corruption. Et bien gérer ressources l'État. Passer main dans la Constitution, faire bon élection, sans monde pas, sans force côté. Et puis, remettre pouvoir à un monde qui est élu. Tout ceci ne pourra aboutir que si un environnement sécuritaire est rétabli pour permettre une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire et la libre circulation des personnes et des biens. Il n'est pas concevable de demander à des partis politiques et à leurs candidats d'aller faire campagne si l'État ne peut pas leur garantir qu'ils n'ont pas à craindre pour leur vie et celle de leurs militants et sympathisants. Je me réjouis que les signataires du consensus national aient apporté leur soutien unanime à la demande d'assistance d'une force spécialisée présentée par le gouvernement à la communauté internationale pour accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Certains pays ont exprimé leur volonté de participer à cette force multinationale et j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette solidarité va se concrétiser. Il est vrai que compte tenu de la dégradation de la situation, nous aurions souhaité une réponse plus rapide. Je veux saisir l'opportunité de l'installation des membres du Haut Conseil de la Transition pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui hésitent encore à participer à ce grand combat national. Leur place est à nos côtés, aux côtés des membres du HCT, aux côtés du peuple haïtien, dans le combat pour la restauration de la démocratie.